Bonjour et bienvenue à l'émission ⁇ C'est vous regarde ⁇ Aujourd'hui, on reçoit M. Jean-Pierre Gagnon, directeur général de l'organisme Bassin Versant de la zone Bayonne, ainsi que M. Louis Trudeau, vice-président. Bonjour. Bonjour, Mme Jenny. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi la mission de l'organisme des Bassins Versants de la zone Bayonne Alors, la mission de notre organisme, c'est de travailler à améliorer la qualité de l'eau. Euh, en premier lieu, comme vous l'avez dit tantôt, on parle de la Bayonne, euh, mais depuis le mois de mars 2009, maintenant, euh, c'est un ensemble de bassins hydrographiques, c'est-à-dire euh, la rivière Saint-Joseph, la rivière Chaloupe, la rivière Bayonne, la rivière Chico et la rivière Caché, qui font un ensemble qu'on appelle aujourd'hui la zone Bayonne. Alors, euh, travailler à améliorer la qualité de l'eau, c'est un gros mandat. Et euh, pour ce faire, c'est ça, c'est euh, la raison de notre visite aujourd'hui. On vient vous voir pour vous parler des, des activités, des outils qu'on développe euh, pour euh, travailler à ce beau mandat-là. Justement, de quelle façon euh, vous améliorez ça? Bien, premièrement, depuis quelle année euh, ça existe, l'organisme? Alors, faire un topo euh, un topo précis, euh, voulez-vous qu'on commence du début, début, euh, oui. ca, quand l'aventure a commencé? Euh, ça a commencé au milieu, euh, pour être précis, au milieu des années 90 à 95, printemps 95, euh, alors que M. Louis Trudeau, qui est notre vice-président aujourd'hui, et sa conjointe, Madame Ghislaine Guindon, euh, ont, comme on pourrait dire, mettons, euh, initié un mouvement citoyen. Euh, pour euh, avoir une réflexion sur euh, le bassin hydrographique de la rivière Bayonne à l'époque, euh, parce qu'il en entendait parler, euh, il y avait, on avait dans le milieu des années 90 une très mauvaise perception de la qualité de l'eau de la Bayonne, à raison, on pense, et euh, ils ont mis sur pied un petit comité euh, qui était composé de cinq ou six personnes oui, à, à peu près. Puis c'est ça, puis au début, c'est sûr qu'à euh, l'époque, euh, parler en termes de... De bassin versant aujourd'hui, mais c'est plus connu. C'est une expression, disons, qu'on on entend un peu plus à droite et à gauche. Mais à l'époque, c'était tout nouveau, cette approche-là. Il dit au moins ici au Québec, parce que ça avait été développé en particulier en France. C'était déjà une façon de gérer les cours d'eau et puis la qualité de l'eau. Mais ici, on n'était on pas familier. Avec euh, cette perception de que dans le fond que tous les cours d'eau mènent euh, euh, se rejoignent pour euh, aller dans la rivière puis la rivière aller dans le fleuve, euh, c'était c'était une approche qui était novatrice à l'époque quand on a commencé. Puis euh, c'est euh, ce mouvement citoyen là euh, assez rapidement comme Louis Louis a dit c'était d'expliquer le, le principe de bassin hydrographique euh, puis pour faire une image pour se faire une image c'est quoi un bassin hydrographique c'est on se dessine comme une assiette et toute l'eau qu'on va euh, qu'on va avoir qu'on va être capable de recueillir dans la même assiette incidemment le bassin euh, s'en va vers un point précis qui est l'embouchure. Alors là, euh, quand on a notre, on est capable de délimiter notre bassin hydrographique, c'est-à-dire le bassin versant, euh, ensuite on peut dé déterminer euh, les, euh, le nombre de personnes qui y vivent, c'est quoi les usages, euh, les acteurs de l'eau, quel type d'utilisation, de, de, on fait tout ça, et euh, c'est la, la première chose à partir pour dire, ben. Améliorer la santé d'un cours d'eau, c'est d'en connaître en premier lieu son bassin hydrographique le plus, le plus précis possible. Et comme Louis disait tantôt, euh, le mouvement citoyen euh, a oeuvré plus ou moins 7-8 ans, 7, ans ouais, euh, jusqu'à à, l'avènement, euh, comme on a parlé tantôt, on a, on a fait notre préparation, euh, comme on a dit tantôt, jusqu'à la politique nationale de l'eau qui est arrivé en 2002 avec euh, le ministre de l'Environnement de l'époque, qui était M. André Boitelaire Et quand euh, la politique nationale de l'eau est arrivée en 2002, euh, il y a, le ministère de l'Environnement a euh, reconnu 33 bassins versants prioritaires dans la vallée du Saint-Laurent. Et euh, la rivière Bayonne, moi je présume qu'à cause de l'élan citoyen qu'il y avait eu, était déjà dans le radar du ministère de l'Environnement. Et, euh, à partir de là, ben, il y a une subvention statutaire qui est arrivée en 2005 de 65 000 pour commencer le mouvement et là, répondre aux critères, à des critères qui étaient encore plus précis du ministère de l'Environnement pour faire un organisme de bassin verset reconnu. Il euh, faut dire que la cartographie avait déjà été faite. Il y avait du travail de débroussaillage et il y avait déjà des, euh, des actions qui avaient été posées par le comité citoyen. C'était des actions. et Puis il faut souligner le travail de ce comité-là qui était bénévole au départ. Il y avait eu euh, une corvée euh, ouais, de plusieurs corvées de nettoyage, des corvées de nettoyage mmh. de la rivière. Et puis aussi, on... dès le début, on a fait, euh, on a mis de l'avant beaucoup euh, de la plantation d'arbres parce que on avait aussi euh, fait faire des conférences par un géologue qui nous avait fait comprendre l'importance euh, des arbres par rapport à la qualité de l'eau. Fait qu'on s'est dit, bon, planter des arbres, c'est à la portée de tout le monde. Euh, on, dans la région, euh, la rivière Bayonne, il y a beaucoup de, de coulées qui, qui mènent à la rivière, ou euh, qui sont. Euh, des, des endroits, dans le fond, qui sont inutilisés par les agriculteurs. Par exemple, on va planter des arbres, puis plus on va avoir d'arbres, plus ça va euh, faire des actions pour euh, de la qualité de l'eau, parce que l'arbre a plusieurs fonctions en fonction là, pour euh, améliorer l'eau, ne serait-ce que par ses racines, qui empêchent l'érosion, et aussi euh, bon, par le, le, le fait que ça aide à la... À, à aider l'atmosphère, euh, la, tout ça. Il, euh, plus il y a d'arbres de planter, bien plus euh, on, on aide à la, la qualité d'eau, entre autres. Et parce qu'on on se rend compte, si vous allez dans un milieu forestier, vous regardez un, un cours d'eau, habituellement l'eau est, est claire et propre. Vous allez à un milieu haut, <coughs> il y des, où il n'y a plus de forêt, qui est qu cultivée, habituellement l'eau est plutôt polluée c'est que c'est facile à convaincre que planter des arbres c'est important ça, pour la qualité de l'eau j'ai une petite question comme ça qu'est-ce qui vous a poussé justement à partir le mouvement citoyen au départ qu'est-ce qui vous a porté qu'est-ce qui vous a amené à ça ben c'est que on avait nos convictions en environnement on sait que la planète je veux dire il y a des limites à la capacité qu'elle peut soutenir, là, pour la détruire, Quand on trouvait que les humains, puis on dit, dit bien, un des, des points importants pour euh, même la survie de l'humanité, c'est la qualité de l'eau. Je me rappelle les premiers mots d'ordre qu'on s'était donnés l'eau, c'est la vie. Hein, S'il n'y a pas d'eau, il n'y a plus de vie, si l'eau est polluée, euh, euh, prenez un lac qui est très pollué, il n'y a plus de poissons dedans, il n'y a plus de vie dedans. Fait qu'on s'est dit, bon, un des points qu'on va développer, on va améliorer la qualité de l'eau, puis on va dire, où on va la prendre? Mais on va aller voir notre rivière à nous autres. Puis effectivement, c'était une rivière qui... Euh, même vis-à-vis -vis, euh, on avait des documents, même vis-à-vis -vis du gouvernement, était considérés comme une des plus mal en point au Québec. Là. Puis euh, je pense que les gens aussi avaient, avaient euh, des, euh, des opinions très négatives de la rivière, parce qu'on s'est dit bon, on va travailler petit à petit à améliorer les choses. Puis on dit mais si des gens font quelque chose pour la rivière, bien, ils vont la respecter. Si on va faire une corvée de nettoyage, ceux qui ont fait la corvée de nettoyage pas lui rompu la rivière. Ils vont en prendre soin. c'est un peu dans ce sens là qu'on développait des activités aussi. Okay. Puis c'était euh, euh, cet élan là parce que. Durant que Louis disait ça, euh, j ai, j ai, euh, M. Trudeau. Durant que M. Trudeau vous disait ça, je, je, je pensais aussi qu'il y a eu comme trois grandes époques dans, dans, dans l'histoire qui nous mène à aujourd'hui. À l'automne 2012, c'est euh, les amants de la Bayonne. C'est un nom qui, euh, moi, je pense qu'il euh, qui portait l'action et c'est devenu euh, l'organisme de bassin de la rivière bayonne à partir après la politique de l'eau non l'organisme le, de bassin reconnu par le gouvernement dans la politique de l'eau est arrivé le 18 janvier 2005 et euh, durant 4 ben euh, là comme on en parlait tantôt euh, évidemment en étant euh, d'une subvention statutaire, c'est que le gouvernement, dans sa politique de l'eau, a, a un devoir, nous a demandé de faire un devoir qui est le plan de directeur de l'eau. Et euh, on a fait un premier plan, le plan de directeur de l'eau étant un outil, euh, pour en parler concrètement, <laughs> c'est étant un outil euh, de, de, de suivi pour savoir pour connaître la qualité y aller de façon plus pointue avec la qualité de l'eau et connaître les acteurs connaître les utilisations de l'eau de façon pointue et précise c'est un cycle de cinq ans alors le plan directeur de l'eau nous doit nous amener finalement à faire un plan d'action pour améliorer la la, la qualité de l'eau et de façon instinctive, les Allemands de la Bayonne dans la première période avaient fait euh, un travail pratiquement sans avoir un plan directeur de l'eau précis. Les actions qu'on retrouve dans notre plan directeur de l'eau, c'est-à-dire de planter des arbres, comme Louis a dit tantôt, des corvines de nettoyage. Euh, Aujourd'hui, encore en 2012, on, on a gardé euh, cette ligne directrice là, qui est une ligne d'action. Euh, et, euh, et là, je, je te prends on était à la deuxième période qui était, qui était l'organisme de bassin versant de la rivière Bayonne, mais il y a une réflexion au niveau du ministère en 2007-2008 à l'effet qu'on était tout petit, la rivière Bayonne étant un bassin hydrographique de 365 km2. Et la réflexion qui était faite, c'est que le ministère de l'environnement a voulu couvrir tout le Québec méridional, c'est-à-dire qu'il manquait des sections, il y avait des endroits qui étaient pas… des certains bassins qui n'avaient pas été pris en charge dans la politique de l'eau. Ce qui a fait que le 5 mars 2009, on a appris qu'on on était, on devenait un organisme de gestion de l'eau, de, de gestion intégrée de l'eau, qui regroupait maintenant euh, le bassin de la Saint-Joseph, comme tantôt de la Chaloupe, de la rivière Bayonne, de la rivière Chicot, de la rivière Cachée et quelques petites rivières qui vont jusqu'à Masquinongé, ce qui devient maintenant une zone de, de gestion de l'eau de 1000 km2. Où est-ce qu'on doit appliquer un plan directeur de l'eau? Mais on a gardé la même philosophie de de départ qui est de, de, de toujours être très proactif et de travailler avec tous nos partenaires. Alors dans ces quelques mots, c'est ce que c'est pour décrire oui. la mission de l'organisme. C'est nos trois grandes périodes, les amants de la Bayonne, l'organisme de bassin, et aujourd'hui l'organisme des bassins de, de la zone. Puis concrètement, qu'est-ce que vous faites? C'est bon ça, j'ai C'est concrètement... Euh, qu'est-ce se passe dans une année là, dans l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne? Là? Ce qu'on fait, alors, je suppose d'avoir un blanc. <laughs> Parce Il, y <laughs> que... Il y a différents projets. Oui. Je pense qu'il y a une chose qu'on, nous autres, c'est devenu tellement quotidien qu'on oublie des de parler, c'est qu'on on, euh, on fait beaucoup euh, disons euh, la, des on, on fait de l'analyse de suivis d'analyse, c'est des suivis d'analyse. Ah, de tu sais, suivi tu oui. veux parler de ça euh... C'est parce que souvent les gens disent oui mais la rivière, est-ce que ce que l'eau a sa est-ce que ça va mieux euh, Mais semble qu'est pas mieux qu'avant. fait que Bon, nous autres, euh, je veux dire, on, on a quand même des instruments pour mesurer la qualité de l'eau euh, dans les différents cours d'eau et même dans les lacs. Euh, c'est ça, c'est. Les, les, euh, le... hum, hum. On a une équipe, mettons, pour vous dire au quotidien, c'est le fun, on, on fait un, un focus sur euh, la, la, la permanence au bureau. Euh, on a des gens euh, d'une de, de, belle expertise, on a des biologistes, on a un géographe. On a une technicienne en agro-environnement, euh, on a un infographe, euh, on travaille euh, aussi des fois avec euh, des agronomes en collaboration. Et au quotidien, c'est ça, comme Louis disait tantôt, on a une entente avec Réseau Rivière, où est-ce qu'on suit, on va aux embouchures de rivières et on fait des cueillettes d'eau. Euh, pour, mais ça ça, ça, ça se fait dans des périodes, je dis au quotidien, c'est une des activités qui est, euh, qui est faite avec un suivi, qui, c'est euh, les résultats qu'on va trouver, bien évidemment, sont, sont inscrits dans notre, euh, notre plan directeur de l'eau. Euh, on a euh, des projets aussi, parce qu'avec euh, aujourd'hui, ce que je n'avais pas dit, on a 123 500 par année, subvention statutaire gouvernementale du ministère de l'Environnement, mais pour euh, faire vivre tout. La, la, la logistique du bureau. On a aussi des projets euh, d'amélioration de la qualité de l'eau en milieu agricole. Euh, on a eu un de 2007 à 2011 qui était du ruisseau Bibot. Euh, là, on travaille en partenariat sur un autre projet sur la rivière La Chaloupe et on a un sur le bassin versant de la rivière Chico où est-ce qu'on travaille en continu avec nos, nos, nos producteurs agricoles qui font des aménagements. On va en parler dans, dans, dans le, le prix tantôt. Mais euh, aussi, euh, un chiffre comme ça qui, euh, quand on parle de gestes concrets, euh, qui sont, dont on est assez fier, c'est que dans toute la période depuis que la, 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 le bassin de la Bayonne avait été pris en charge, la première fois quand nous parlait des arbres, tantôt, on aurait planté au-delà de 250 000 arbres euh, qui euh, maintenant poussent un, un peu partout euh, dans le bassin de la Bayonne, puis depuis trois ans dans, dans les, les bassins qui, euh, qui sont connexes autour. Et euh... Mais moi, ce que je veux aussi qu'on n'oublie pas de, de dire, c'est qu'on travaille aussi en euh, partenariat avec euh, des groupes locaux. Euh, d'environnement oui. et c'est comme euh, les euh, euh, il y a des lacs là qu'il y, y a les les, les groupes de, des des résidents de euh, de lacs qui nous demandent euh, tu sais demandent des informations des fois on participe à leurs réunions euh, euh, je sais qu'il y a où s'il y a des problématiques mais là euh, on va discuter avec. Et parfois, ça amène des, des, longues, des longues rencontres et avec les gens du lac, avec les gens des municipalités pour essayer de. Parce que nous autres, notre intérêt, c'est tout la qualité de l'eau. Mais on a affaire à différents groupes d'intérêt avec lesquels il faut composer. Ça demande quand même pas mal de, de travail. Comme le lac Mondor, on a fait. En fait, une étude, tout, 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 une étude tout, 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 des amphibiens reptiles euh, pour connaître la sensibilité du... Euh, bon, parce que de, le lac Mondor, c'est un petit lac en haut de Saint-Jean-de-Mata euh, qui euh, juxtapose à peu près à la frontière de Saint-Damier. Et euh, bon, c'est un lac qui, qui est... Euh, qui a une, une sensibilité, parce que le, le il était dans une cuve, dans le fond d'une cuve, et bon, il y avait des problèmes d'érosion, tout ça, et il y a une association de lacs, l'association euh, des riverains nous a demandé. Association des riverains euh, nous a demandé de, de se pencher sur, euh, ainsi que la municipalité, de se pencher sur euh, la mécanique du lac. Alors là, on a fait euh, une étude de, de, des bassins hydrographiques qui ont autour, une étude de l'érosion dans le lac. Et euh, là, on est en discussion avec un comité de, de concertation à savoir comment on doit occuper le territoire autour du lac. Euh, parce que euh, encore une fois si on revient au début début de l'émission, le lac Mondard, le lac Vert, le lac Bertier et euh, le lac Poitras sont nos lacs qui sont au nord du bassin de la rivière Bayonne. Ce qui veut dire que ces lacs là coulent finissent par passer à l'embouchure ici. Fait que quand on travaille toute, toute la mécanique du bassin, euh, on doit essayer d'aller voir tout ce qui se passe partout dans ouais. dans dans ce bassin là. Alors dans les euh, et euh, vu que si on, on va plus creux à un moment donné dans la dans la mission de l'organisme, euh, au niveau gouvernemental, le ministère de l'environnement nous dit que nous sommes un organisme de concertation. Euh, concertation veut dire qu'on doit toujours euh, tenir compte de tous les acteurs de l'eau, puis euh, essayer de faire ça dans un équilibre euh, où est-ce qu'il n'y a pas de conflit. Et euh, là, tranquillement pas vite, je vais chercher une petite porte d'entrée. Euh, pourquoi on est avec vous aujourd'hui, puis on est content. On vous remercie de nous accueillir, c'est que on, on, on en est arrivé avec euh assez rapidement, à savoir que par rapport à tout le territoire qu'on a, on est à 60 en milieu agricole dans, dans la zone Bayonne. Et euh, comme je vous disais tantôt, on a eu un projet qui était euh, pour le ruisseau Bibot, le premier qui, euh, qui coule, qui draine trois municipalités, Saint-Norbert, Saint-Élisabeth, Saint-Geneviève. Et euh, on a travaillé avec 22 producteurs agricoles pour notre premier batch durant presque trois ans et demi, presque quatre ans. Et euh, on, on s'est rencontrés. On pourrait dire qu'on a eu une rencontre avec notre milieu agricole parce qu'au départ, euh, on, 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 on sait que quand on est arrivé, il y avait un scepticisme de la part du milieu agricole aussi de dire « un organisme de bassin encore une autre affaire, que c'est ça cette affaire-là, tu sais, que s'en vient nous voir ». Et euh, là, bien, à travers ce projet-là, qui était bien réussi, on a diminué à l'embouchure du ruisseau bibot le phosphore d'un tiers. Et euh, ça continue, c'est encore en diminution parce qu'on fait un suivi de la qualité de l'eau sur le ruisseau Bibo. Et euh, là, bien, à un moment donné, il y a eu une réflexion à savoir, est-ce qu'on pourrait euh, souligner... Euh, le travail des, de, de nos producteurs agricoles dans l'amélioration de la qualité de l'eau parce que ils ont embarqué ils, maintenant ils sont avec nous autres. et euh, là on a eu de, du euh, ministère de Agriculture, pêche et alimentation de Mapac on a eu un autre projet qui est sur le bassin versant de la rivière Chico 66 producteurs agricoles et là c'est parti c'est bien enclenché alors on en est arrivé à un moment donné euh, à, à l'idée qu'on pourrait faire un, un prix de, de, de reconnaissance. Alors, moi, je vais laisser Louis à, à l'honneur la, à, à Louis de, de le présenter. Non, mais c'est ça, c'est qu'on <laughs> est très heureux d'offrir de, de, un prix de reconnaissance aux efforts qui sont faits par les agriculteurs parce que nous autres, on trouvait que les agriculteurs, des fois, il y avait mauvaise presse. Euh, par rapport à leur méthode de production, où euh, bon, on disait, ils passaient pour euh, des grands pollueurs, tout ça. Mais nous autres, on sait qu'il y a un bon nombre d'agriculteurs qui, au contraire, euh, font des, euh, des activités quotidiennes euh, pour l'amélioration de l'eau. Et puis aussi, ben, euh, c'est même dans la région. Euh... Souvent, c'est des fermes qui sont des fermes familiales de génération en génération. Et puis ces gens-là, ils n'ont pas intérêt à ce que le milieu se dégrade. Ils sont intéressés autant que tout le monde à ce que le milieu soit un milieu agréable à vivre et puis que, si c'est possible, de l'améliorer. Enfin, que nous autres, on veut souligner ça en le disant. Ben, dites-nous ce que vous faites de beau. Pour la qualité de l'eau sur votre ferme, puis on va on va vous offre, on vous offre un prix, on vous offre des prix. Cette année, on, a, on offre 2000 dollars aux agriculteurs qui vont nous dire bien, oui moi j'ai amélioré euh, mon cours d'eau de telle et telle manière il euh, y, y a des <coughs> des méthodes qui sont oui, maintenant justement. qui sont connues qu'est-ce que qu'est-ce que les agriculteurs peuvent faire pour euh, <coughs> premièrement se qualifier peut-être pour le prix mais deuxièmement pour améliorer là euh... bon veux tu commences oui, oui. c'est <coughs> euh, bon euh, on donne euh, des euh, bon dans le projet collectif euh, Première des choses, c'est qu'on doit dire euh, que les producteurs agricoles de 22 municipalités sont éligibles. Ils vont pouvoir avoir à, à l'écran la, la carte euh, des de, euh, où est-ce que ce, les municipalités euh, sont, sont admissibles. Et euh, nous, c'est très ouvert comme... Euh, on, on le disait tantôt, euh, on peut faire, mettons, euh, si un producteur a décidé de faire une plantation d'arbres ou une plantation d'arbustes, euh, d'aménager une bande riveraine, d'élargir sa bande riveraine un petit peu, on fait des farces, on sait que c'est notre gros débat parce que euh, plus on a une bande riveraine qui, euh, qui, qui est... Qui est qui est substantiel sur le bord d'un cours d'eau plus que ça travaille l'amélioration de la qualité de l'eau alors et euh, le producteur si le producteur participe à un projet collectif comme dans les Chico, ou ceux qui étaient dans, dans le ruisseau Bibo aussi euh, on n'a pas de problème euh, faire des déversoirs les euh, des avaloirs euh, les pour pas que je... le déversoir c'est une sorte de, de mécanisme en pierre qui amène l'eau directement au cours d'eau et avec une, une membrane en dessous nos producteurs le, le connaissent qu'est-ce qu qu'est un déversoir et euh, les rizibernes c'est comme euh, une petite bordure de terre sur le bord du ruisseau qui empêche l'eau d'aller directement où est on va amener l'eau au déversoir euh, pour euh, tout ça dans, dans l'espoir de diminuer l'érosion euh, des sorties de drains qui sont faites de façon adéquate avec euh, des gens euh, des gens qui vont être euh, qui ont l'expertise pour le faire, euh, l'élimination de débris si un producteur agricole dit bon ben j'ai sorti euh, tant de débris j'ai été faire un nettoyage euh, corvée de nettoyage et les corvées de nettoyage vous pouvez faire appel à à la zone Bayonne, parce qu'on est capable d'allumer avec des, des groupements des fois d'élèves ou de, de, de jeunes adultes ou euh, des, des organismes <laughs> et avec les équipements on peut vous aider là-dessus euh, alors euh, c'est euh, les plans comme les plantations mais comme euh, Louis si tu veux en parler ou si on est volé ou est-ce que si euh, c'est ça c'est dans le fond on a comme divisé les, les activités possibles en trois trois sections il y a les activités que les les agriculteurs euh, peuvent faire directement sur le bord de leur cours d'eau, comme Jean-Pierre vient de dire. Il y a aussi des activités qui concernent l'ensemble de la ferme. Tu sais, euh, si par exemple euh, ils, ils vont mettre, euh, ils font attention euh, sur la façon de ce qu'on appelle les intrants, là, les, les euh, euh, pour euh, <coughs> pour cultiver, fertilisants. Euh, si, euh, hein, pardon, là, comme les fertilisants. Oui. Ouais, les fertilisants, ben si en mettre seulement que la quantité nécessaire. Si en mettent trop, parce qu'il y en a une partie qui s'en va dans leur ruisseau, bon, s'ils font attention à ça, mais ça compte aussi. Aussi, ben, la façon dont ils font attention pour gérer leur eau. Pas utiliser de l'eau inutilement, pas envoyer de l'eau n'importe où. Il y a des façons de gérer de l'eau sur une ferme, comme d'ailleurs il y en a pour chaque maison. Bon, s'ils font des activités aussi comme ça, on a parlé aussi de, des, des bandes, ce qu'on appelle des, 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 des oui, haies brise-vent, qui, qui diminuent la. la l'érosion éolienne. Euh, on a parlé aussi, c'est tout récent, là, des, des semis directs, Le semi -direct. bon, qui aussi vont aider. Bon, il y a toutes sortes d'activités sur la ferme. Puis, il y a aussi un autre type d'activité, un troisième type d'activité euh, qu'on aime à souligner parce que... C'est l'activité civile qui nous apparaît, disons aussi, comme euh, très humaine, euh, dans ce sens qu'on appelait euh, l'activité récréative et de ressourcement. Bon, les gens, s'ils si peuvent utiliser leur euh, cours d'eau, ou même un cours d'eau voisin pour aller à pêche, aller en canot kayak, ou euh, même, il euh, y a de la baignade, c'est possible dans certains cours d'eau, mais ça, c'est des activités récréatives qui peuvent nous souligner. Ou encore, si quelqu'un aime... Il y a une arme d'artiste, puis il aime à peindre, puis il veut peindre son cours d'eau, tout ça. Bien, si ça rentre, ça rentre en ligne de compte dans ce genre d'activité que les gens peuvent faire, ou raconter raconter l'histoire de leur ferme. Il y a quelqu'un qui nous a dit il y a une ferme là, à sainte élisabeth ça fait sept générations successives sur la même ferme. Il y a de quoi à dire là-dessus. Là. Mm -hmm. Fait qu'ils peuvent nous raconter des choses aussi de même, euh, comment eux autres. Euh, on me rappelle à sainte élisabeth une fois on avait rencontré Jean, puis il nous racontait comment autrefois ils vivaient sur le bord de la rivière, euh, comment ils traversaient la rivière en faisant des, des ponts piétonniers sur la rivière, ce qui était assez particulier. Là. Et puis bon, il y a différentes activités qui, qui nous ont racontées, euh, qui peuvent aussi euh, mettre dans, leur, dans, dans, dans un document qu'ils veulent nous produire pour euh, montrer leur attachement à leur cours d'eau puis à la rivière. Fait que c'est ça. Puis aussi, ben, on dit, si les gens participent à un projet collectif quand il y en a un, ben, on dit, c'est un atout, ça leur aide. Si, on, on, on reconnaît aussi que si les gens, euh, disons, s'impliquent dans la, dans la collectivité, dans leur milieu, s'ils sont bénévoles dans un domaine ou dans l'autre, ben, ça compte aussi, euh, comme euh, une, une un avantage pour eux autres dans leur présentation. Je pense enfin, aussi que. C'est qu pas mal large, il y a pas mal, pas mal tout qu'ils peuvent mettre. Il y a un volet aussi scolaire, je crois, qu'il ne faut pas oublier. Oui. Euh... Euh, même, est-ce que vous. Moi, tu le dis, Madame Jenny, je, je pourrais. Parler des, des 22 municipalités, on, on a euh, les nommés rapidement que, euh, que c'est déjà faire un, un, un premier euh, stone qui est Saint-Jean-de-Matas, euh, Saint-Gabriel-de-Brandon, saint brandon saint Cléophas de Saint-Didas. Saint-Édouard de Masquinongé, Saint-Justin, Saint-Bertémy, Saint-Cudbert, sainte geneviève Sainte-Genevière-de-Berthier, Berthierville, Lanoray, Lavaltrie, Saint-Thomas, Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Notre-Dame-de-Lourdes, Sainte-Élisabeth, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Damien-de-Brandon, la visitation de l'île du port et l'île Saint-Ignace. C'est <laughs> déjà terminé, sauf oui. que on pourrait peut-être vous réinviter à un moment donné pour reparler des autres projets. <laughs> oui. Euh, donc, est-ce qu'il y a peut-être une adresse Internet pour s'inscrire ou avoir des informations. Et euh, nos coordonnées téléphoniques, c'est euh, pour ceux qui sont pas 1 8 6 6 42 42 ou si vous êtes en région, 450-889-42-42. Je vous remercie beaucoup, messieurs. <laughs> c'est vraiment très intéressant. C'est un beau projet. Merci Donc, beaucoup, euh, Mme Jenny. je vous invite n'importe quand pour euh, revenir en parler. Ça va nous faire plaisir. Bien, merci. Merci beaucoup. Donc, c'était l'émission Ça vous regarde. Je vous donne rendez-vous euh, une prochaine fois sur un autre sujet euh, très intéressant.